Bonsoir les Crozes. Est-ce que vous me voyez? Il y a eu un bug. Bonsoir Marina. Oui, on te voit. Ah. Donc ce soir on est sur le DLC End of Zoé de Resident Evil 7. C'est le dernier DLC du jeu. À ce qui paraît, il est excellent. Hein, de ce que j'ai vu, il a l'air pas mal. Alors, le seul problème, c'est que le live, enfin le DLC ne dure que une heure. Une heure maximum. Donc le live, malheureusement, ne va durer que une heure environ. Donc aux alentours de 22 heures, bah, le live sera terminé. Malheureusement. Ça sera un live assez court. Ah oui, donc regardez, le papy là. Le papy qu'on voit en fond, c'est le frère du père Baker. Je sais pas si vous imaginez le truc là. C'est le frère du vieux. Le vieux papy dans le jeu, c'est son frère. Et lui, c'est un gentil papy. C'est le papy Baker. Et donc dans ses bras, il y a Zoé, donc qu'on laisse de côté. On sait pas ce qu'elle devient. Écoutez, Croze, on commence directement. J'ai hâte de tester ce DLC. Let's go. On se met en normal, hein, comme le DLC Notre Héron, on se fout en normal. On y va. C'est parti. J'ai dû en utiliser un. Voilà, c'était ce moment-là où on laisse Zoé de côté. M'échapper, je suis sûre que quelqu'un peut t'aider. C'est chez moi. Apparemment, ma place est ici. J'enverrai de l'aide. Pas la peine. Il n'y aura plus personne à secourir. Ah! Alors. Qu'est-ce qui t'arrive, ma petite Zoé? Non! Evie! Pitié! What? Elle s'est transformée en statue. Commence bien ce DLC. Qu'est-ce que... On a quelqu'un ici. Hey. Je crois que... Qu'est-ce que vous foutez? C'est bien elle. Zoé Baker. Elle respire encore. Il faut prévenir le QG. Vous avez dit Zoé? Monsieur, vous vivez ici? Mais qu'est-ce qu'elle a? Zoé! Vient vous aider. Est-ce que... Bon sang, qu'est-ce que vous lui avez fait? Monsieur! Oh. Arrêtez! What? D'accord. C'est pas vrai. Zoé! Oh bordel! Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Fin du DLC, elle est morte. Écoute-moi, on est là pour vous aider. C'est ça. Et moi, je suis la reine d'Angleterre. Dis-moi, depuis quand les secours débarquent avec des hélicoptères de combat? T'as aucune idée de ce qui se passe? Tu saisis pas? Tu penses que je sais pas qui vous êtes? Avec tous ces... monstres qui rôdent dans le coin. Alors, d'où est-ce qu'ils viennent? C'est pas ce que tu crois. Tu comprends pas? Ah, je comprends pas! Tu vois cette fille là-bas? Regarde! Ça, c'est la gamine de mon frère. Ma nièce, tu comprends? Et par ici! La famille, c'est quelque chose de sacré! Alors, je serai pas à ma famille! Il est badass, hein? Il est hors de question que je vous laisse faire! Pour la dernière fois, elle est infectée! Elle va mourir! Et nous aussi, on va crever! Si on se tire pas d'ici tout de suite! Elle est pas encore morte, du con! Alors je te conseille de faire quelque chose pour elle! Avant que je te donne à bouffer à tes petits copains! C'est bon, c'est bon! Il y a un remède! Tu te fous de ma gueule! C'est la vérité! C'est la vérité!
On était sur le point de lui amener le traitement. Avant que tu viennes tout foutre en l'air. Ils nous attendent sûrement encore à l'heure qu'il est. Où ça? Eh ben dis donc. Ils l'ont mis dans une vieille cabane, pas très loin d'ici. Ok, donc nous jouons. Je le jure. Donc voilà Zoé. Qui respire encore. Elle est classe, franchement, on j'aime bien son. Ça, Zoé. T'es ma famille. J'aime bien son accoutrement. Cristal, là, je sais pas, c'est sympa. Vous imaginez que c'est Chris? Imaginez que c'est Chris, lui. Bref, donc nous... Ah putain, ça fait plaisir de revoir l'environnement, en fait. L'environnement de la ferme Baker, c'est exactement ça. Hein. Ah, ça fait plaisir. Bon, bah écoute, ma petite Zoé, j'essaie de trouver le remède. Toi, tu bouges pas. C'est quoi, c'est une tête là-dessus? Putain, c'est une tête. Ce que j'ai vu aujourd'hui n'avait rien d'un alligator. Je suis sorti vérifier les lignes et j'ai vu que j'avais attrapé quelque chose, alors j'ai mouliné. Dieu seul sait ce qu'était cette chose couverte de boue avec ses griffes et ses énormes dents. Cette saloperie a tenté de me bouffer, alors je lui ai mis des droites dans la mâchoire avant qu'elle n'y parvienne. Je n'aurais jamais pensé voir ça de mes propres yeux. Encore un coup de ce putain de gouvernement qui mène ses expériences secrètes sur des êtres humains et des animaux. J'en mettrai ma main coupée. Ça explique aussi ces hélicoptères qui survolent le coin ces derniers temps. Alors, c'est à dire que pendant tout ce temps, dans Resident Evil 7, il y avait l'oncle Baker qui est en train de pêcher derrière la ferme. Donc, il est au courant de rien. Il est au courant de que dalle. Elle est cristallisée, Zoé. Ouais, on dirait bien. Il est au courant de que dalle, le papy Baker, là. What? Oh, c'est énorme. Alors. Une petite sauvegarde. Il est génial, le papy se retrouve face à un monstre, alors au calme il lui fout des coups de poing. Et attendez, j'ai l'impression que. On n'a pas d'armes. On n'a pas encore d'armes pour le moment. Peut-être là-dedans? Non. On a que des points! On a que des points. D'accord. Comment tuer ces choses? 1. Leur corps a beau être résistant, leur tête est plutôt molle. C'est là qu'il faut frapper, d'accord. 2. Les enchaînements de coups de poing qui fonctionnent bien. Gauche-droite, puis une série de droites rapides. Alors attendez, gauche-droite, et droite-droite-droite-droite, ok. Droite-gauche-droite, et un puissant gauche pour finir, tester à prouver. Droite-gauche-droite, ok. Leur tête peut facilement être écrasée sous la semelle quand ils sont à terre. On peut s'accroupir, se faufiler derrière eux quand ils ont le dos tourné. Ok. Les crocs, j'ai l'impression que. Qu'on va pas avoir d'armes. Ok, donc gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Ah oui! Ah oui! Ah oui! Ah, c'est puissant, hein! Ah, c'est puissant! Oh! Pa! Ok. Bim! Bam! Bim! Boum! Ok, j'ai compris. C'est bon, j'ai compris. On peut y aller. On va y aller au point, du coup. Hein. Un verre. Appuie sur REC pour volontaire, puis RB pour la combinaison possible. Ah, c'est pour faire des remèdes, d'accord. D'accord. Oh! On dirait qu'il y a un méchant, là. On va essayer de bien fouiller. Oh, putain. Espèce d'étrange ambulant. Ok. Allez, viens! Viens te frotter au Pepi Baker! Oh! Tiens, salopard! Tiens! Et il a aimé ça, je crois. Je crois qu'il a aimé ça.
Oh putain, y'en a un là. Attention. Oh merde, y'en a un derrière. Oh! 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 Merde! C'est chaud! Allez, crève! Tiens! Et tiens! Je crois que plus badass que ça, tu peux pas. Hein. C'est marrant, ça me fait penser à Dead Space, la façon de les écraser. Ok. Très bien, on est pas mal là pour le moment. Hein. On a pris nos vitamines, on dirait. Ah ouais, d'accord. On peut vraiment tout péter. Hein. Poupée boxeur. Papy Baker, il a fait de la boxe, on dirait. Ah. Alors, est-ce que je peux crafter un truc avec ça? Ouais, c'est bien. Ok. Oula. Je sais pas si vous y voyez grand chose là, mais. Wow. Oh putain, on a un DLC qui fait flipper. Salut toi! Me saute pas dessus, hein. Oh putain, son crâne il est. Regardez. C'est un squelette quoi. Putain! Ah, il a. Ah! Remède contre infection de type E. Oh, bah, on l'a! Quelle horreur! Oh putain, c'était simple! On a déjà le remède! Oh! Foiré! Tiens! On se casse! Ok, hop. Ah merde! Enfoiré! Non! Wouh! Nickel. Vite! Il y a carrément des arbres qui se... Non. Il y a eu quoi là? Ah merde, ça crame! Zoé! T'es où? Tiens bon, Zoé. Ah mais elle va déjà être soignée. Ça crame un peu là, faut y aller hein. Pourquoi ça marche pas? C'était pas plein, c'est ça? Ça suffira pas. Il va te falloir une dose entière pour la guérir complètement. Elle en a encore à la base. Oh putain. Détache-toi et je t'y amènerai. Allez! Quelle base? Wouh! Oh! What the fuck? On se casse. La vache. Oh. C'est horrible. On se tire. On se tire. On se tire où? On se tire où? Là? Ok. Wouh! Papy Baker, il va plus pouvoir pêcher les crozes. C'est pas bien ça. Ok. Tout va bien, Zoé. On se tire!
Wouh! Regardez. C'est le gros méchant, je crois. Quelle journée de merde. C'est pas mal pour le moment, hein, putain. Le soldat a dit que les Médocs étaient dans une sorte de base. Il se transforme en méduse. Et depuis quand est-ce qu'il y a un mur ici? Ok. Une cabane là-bas. On dirait que quelqu'un a laissé les lumières allumées. Allons voir ça. T'en fais pas, Zoé. On y est presque. Ok, let's go. Bon, du coup, on dirait qu'ils ont bâti un mur. On dirait que Trump est passé par là, les Cruz. Bon, du coup, le vaccin n'a pas marché, hein. Il nous en faut plus. Wow! Allez, pas maintenant, l'alligator. Putain, il y a un putain d'alligator, les Cruz. On va se faire bouffer! Oh! Reste tranquille! Couché, sale bête! Okay. Tu seras en sécurité ici. Ouais, nickel. Je te mets où? Je te mets là. Attends-moi là. Je vais revenir avec quelque chose qui va te requinquer. La transformation de Zoé me fait un peu penser à celle de la femme de Castellanos. Ah c'est vrai ouais, c'est pas faux, il y a un petit truc. Bon elle est pas aussi arrangée que la femme de Casti mais... c'est vrai. Sauvegarde. Bah l'alligator reste dans l'eau parce qu'il sait à qui il va avoir affaire s'il sort de l'eau en fait tu vois. Regarde j'ai quand même des points quoi. C'est pas n'importe quel point hein. Moi j'en fais qu'une bouchée d'un alligator. Let's go. Approchez-vous. Un petit don de la part de Tisha qui n'a plus internet depuis 2 semaines. Tu as le bonjour de sa part. Eh ben bonjour Tisha. 2 semaines. Ah merde. J'espère qu'elle loupera pas le live de Noël. Ce serait con. Oh putain, ils sont deux. Attention. Ah merci Tisha du coup. Hein. Et merci Kaichou pour le message. Alors attends. On y va lentement. Bim. Wouh. Crève enflure. Ah c'est bon ça. Je l'aime bien, je l'aime bien, je l'aime bien. Le papy Baker, je l'aime bien. Oh, attention. On va essayer de se faire le deuxième. Il m'a pas vu. Arrête de tourner autour de la table. Yes. On continue. Hop là! Wouh! Excellent. Salut Riku! C'est tellement une bonne idée de pouvoir jouer qu'avec ses points. Ah, attendez. J'ai rien dit. Oh, on a une lance. Mais c'est tellement cool! Mais c'est tellement classe!
Boum, boum, boum. Wouhou. J'adore. Poupée boxeur, ça sert à quoi les poupées boxeurs là? Attends. À quoi ça sert ces putains de poupées là? Une poupée sinistre utilise une magie noire. Chaque poupée dans votre inventaire augmente votre force d'attaque de 1%. Ah! Ah non, mais il faut en choper beaucoup. Attends, 1% pour chaque poupée. Putain. Attention. Les ordres suivants doivent être appliqués immédiatement. Le Mutami 7 s'est répandu dans les marais et il continuera à muter tant qu'il rencontrera de nouveaux organismes. Nous ne pouvons pas nous permettre d'exposer le stock de médicaments. S'il venait à subir une mutation, il deviendrait inutile. Transférer toute la station de synthèse... Oh putain. On oublie le deuxième modo. Alors, j'allais le faire, Scarcrow, j'allais le faire. Je le fais bah, dès ce soir là. J'ai pas eu beaucoup de temps. Vous me facilitez pas la tâche. J'ai pas eu beaucoup de temps à passer sur Discord, mais je vais le faire à la fin du live. T'en fais pas. J'ai pas oublié. Parce que Firefox n'est plus là. Elle peut plus s'occuper de tout ça. Elle me laisse tout seul. Ok, alors là, attends, du coup, transférer toute la station de synthèse des gens. Ah, c'est vers le bateau à vapeur, d'accord. Donc le remède est dans le bateau. Ok. Oh, oh putain, il est gros lui. Oh, 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 oh. Oh merde, c'est pas ce que je voulais faire. Ok. Ok, ok. 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 Oh. 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 Merde. Oh. 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 Yes. 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 C'est excellent. J'adore, putain. C'est tellement jouissif. Oh là, merde. Ah non. Ah, t'en veux encore? T'en veux encore, saloperie? Foiré. Il en veut encore. Oh. Peut-être je me casse. Non, je peux pas. Si je peux. On se tire. On se tire, les roses. Vite. Oh, une poupée. On assiste au copain du siècle. The combat du siècle. Merde, j'ai cru que c'était un sniper, mais c'est une canne à pêche. Ok. On y va. C'est verrouillé de l'autre côté. Merde. Il est où ce con? Ah, il est plus là, il a disparu, ok. Alors, je vais me faire ça, ok. Let's go. Hus! 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 Toi, t'es mort. Putain, salopard! Oh putain, hé! Si ça, c'est pas une référence à Resident Evil 4, je m'y connais pas. Dans le bateau, le premier boss dans le lac, on est sur une espèce de petite barque, bah comme sa barque à lui, et on balance des lances comme ça sur le boss. C'est exactement pareil. Ah, on fait gaffe. Il y en a là-bas. Putain, salaud. Salopin ! Il y en a un là-bas. Par contre, j'ai plus de lance. Oh, il y en a une là. Allez, hop là. Ouais, c'est bien. Bon alors, les crocos, là. Tiens ! Eh ouais. Oh là, putain, il fallait que j'aille là. Oh putain. Eh, heureusement que je me suis retourné. Hein.
Putain, sérieusement là. J'ai parlé d'un deuxième modo sur. Ah mais je croyais que tu parlais d'un modo sur. Oh merde, sur Discord moi. Ah bah voilà. Ah oui, bah du coup, oui, tu vas prendre la place de Firefox. Ah bah je te mets modo Scarecrow juste après le live, ok. Allez, bah, c'est le père. Bim. Boum. Boum. On a des lances là. On a des lances. Et voilà. Ah, c'est le bateau. Oh putain, c'est le Rafio. Attendez, je crois que c'est le bateau du jeu. Je crois que c'est le bateau du jeu. A chaque fois, je crois que c'est un sniper. Ok, on peut aller là. On va monter à cette échelle, tiens. Je tiens à dire que Scarecrow, Kaichu et Scott t'ont donné 50€ chacun ce mois-ci. Ah oui, bah oui, bah merci à vous. Hein. Je vous le dis encore une fois. Hein. Ah, je vous oblige pas après, mais c'est vrai que ça fait plaisir. Hein. Je vous le dis. Hein. Combien de fois je vous remercie, les Crows, pour ça? Ok, on est sur le bateau. Oh, on a chopé quoi là? Ferraille, un tas de ferraille. Alors par contre, il y a un problème, c'est que... Ah si, c'est bon. On va se soigner. Ah, j'ai fait le tour pour ouvrir la porte, d'accord. Ouais, c'est vrai que elle était bloquée. Exact. Encore une sauvegarde. Et il y a un million de sauvegardes dans ce DLC. Ah, un remède, cool. Iceberg, capitaine. Let's go. Donne-moi ton pourcentage de force, poupée boxeur. Merci. Alors ça y est, on a le remède. Putain. Quoi? Oh, c'est pas vrai. Je crois qu'il y a un bug. Ah, c'est bon. Et voilà. Avec les points, on résolut enfin tout, hein. Remède contre l'infection, ça y est. Oh! Lâche-moi! Lâche-moi, enfoiré! Pas beau, toi, hein. Oh. On est au boss! Putain, c'est un boss! Tu me cherches? Tu me cherches? Tu me cherches? Wow! Ok. Quatre. Ok, quatre coups. Hop. Ok. Tu veux te battre, c'est ça? Hein? Yeah. Ok, on va tenter la bombe. Allez. Ok, c'est de la merde. C'est mieux les points, les Crows. Croyez-moi, c'est mieux les points. Voilà. Wouh. Yes. 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 Wouh. 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 Oh, il est pas content là. Oh, il est pas content là. Oh. Putain, bâtard, va. Pardon. Oh, putain. Hop, putain.
C'est un combat de boxe, hein. On est sur un ring là, c'est énorme. On est sur un putain de ring. On est sur un putain de ring. C'est un truc de fou. Oh putain, sa tête, regardez. J'arrive, Zoé. On a le remède. Non mais attendez, c'était légendaire là. Ce qui vient de se passer, c'est un truc de malade. Le boss, c'était... Merci. Je finis ce que je dis. Attendez, je disais quoi? Ouais, le boss. Non, mais c'était un combat de boxe sur un ring là. Non mais what the fuck? Mais j'ai adoré l'idée là. Alors Scott, merci Scott pour ta 1€. On a beaucoup écrit sur moi. Ah bon, vous êtes connu, non tatoué. Ah pas mal. Ah Scott, tu éveilles ma curiosité là. Continue comme ça, c'est bien. Là t'es pas mal. Romy, un garçon demande à sa mère: « Maman, qui est mon père ?» Le père Noël, répond la mère hargneuse. « Comment ça ?» s'étonne le gamin. « Comment ça ? Il est venu la nuit, il m'a fait un cadeau et on ne l'a plus jamais revu. » Ah oui, là je valide. Bien joué Romy. Et merci encore une fois pour tes 6€, hein. Merci beaucoup. Ah, vous voyez, vos blagues augmentent ton niveau au fur et à mesure du temps. Et ça, c'est bien, il y a de l'évolution, les crozes. Ça, c'est cool. Ouais, du coup, pour en revenir, là, c'était vraiment intéressant, là, le boss. Hein. J'ai bien aimé. Mais c'est tellement dommage que le personnage qu'on incarne, bah, là, dans ce DLC, donc l'oncle Baker, c'est tellement dommage qu'il soit pas dans le jeu de base. Je l'adore. C'est un personnage que j'adore, vraiment. C'est un truc de fou, quoi. Allez, ma petite Zoé, on va te soigner. Zoé, j'ai ton remède. Tu vas t'en soigner. Oh non, c'est une blague! C'est une blague! What? Non, Zoé! Retiens ta respiration, Zoé. J'arrive. Merde. On y va. Je suis là. Oh putain, il est là. Hey, laisse ma famille tranquille, du con. Moi, que tu vas t'en tirer. C'est juste pour voir ta tête. Merci, diable. Bon, on continue notre aventure. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On dirait que quelque chose a pondu des œufs très bizarres, là. Pas très propre, hein, dans le coin. Au revoir Zoé. Non, on la reverra. Attendez, on va aller la récupérer là. Vous en faites pas, hein. Allez, let's go. Alors attendez, qu'est-ce qu'on a? On a plus rien. On va essayer de se faire un... qu'est-ce qu'on peut se faire là? On va se faire une branche. On va se faire une lance. Voilà, on est bien là. Allez, let's go. J'adore cette forêt. Pour se rendre dans le bureau de Dumbledore, il faut passer devant un Gryffondor.
Ah oui, d'or, c'est ça, c'est le jeu de mots d'or, non? Pour se rendre dans le bureau de Dumbledore, il faut passer devant un griffon d'or. D'être ça. Ah, Mansigna, ah, on est sur du 3 sur 10, là. Ah, c'est pas ouf, hein. Mais j'apprécie le geste. Bon, après, c'est peut-être moi le problème. Je comprends jamais les blagues qu'on me fait. C'est ça aussi, c'est... Ça vient de là-dedans, hein. Une langouste. Oh, putain, touché mignon. Merde. Non. 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 Putain, arrêtez. Et vous êtes malade, sérieux, les crozes. Vous êtes malade avec les dons, là, c'est un truc de fou, hein. Je sais pas ce qui vous arrive depuis 3 jours, mais... Alors, attendez. Ah, mais du coup, on est sur le ponton, maintenant. D'accord. Bah, oh là là ! Scarecrow futur modo. Bon, Toshi Mignon, coucou, ça fait longtemps. Bah oui, ça fait longtemps, Toshi Mignon. Merci pour tes 5 euros. Docteur, je crois que j'ai besoin de lunettes. Oui, certainement, ici, c'est une banque. 4 sur 10. Je suis gentil, je t'épargne mes blagues. Ah, Scarecrow, c'est gentil, ça. Merci pour ton don de 10 euros. Merci, merci beaucoup. Alors, attendez, parce que là... Ah, ok. Allez, viens là, toi. Lui, on va se le faire. Lui, c'est un méchant. Tiens, bâtard. Let's go. On monte là-dessus. Voilà. Ok. On s'en refait une. Quelqu'un d'autre? Toi? Tiens. Oh putain, sérieusement? Oh, sérieusement là? Je fais comment? On m'explique. Puisque tout le monde se met aux blagues, quelle est la plus intelligente? Puisque tout le monde se met aux blagues, quelle est la plus intelligente? La blonde, la rousse ou la brune? La rousse parce que c'est un dictionnaire. Ah, il y a un petit jeu de mots sympa. Ça, c'est un 5,5 sur 10. Ça, c'est un 5,5 sur 10. Je te donne la moyenne. Bonne noyade. Merci, diable. Non, mais attends, je suis vraiment dans la merde, là. J'ai pas de lance. J'ai pas de lance. Ouais, il va... Putain, il vient sur moi. Mais dégage. La soirée est pas finie. Merci Toshi Mignon. Oh putain, on a réussi à passer, attendez. Oh, y'a de l'espoir là. Y'a de l'espoir pour notre papy, papy Baker, papy boxeur. C'est bon, on a réussi. Parce que tu vas décéder, Toshi. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a des chances que je. Que mon cœur s'arrête, ouais. Ça sera de votre faute, hein. Scarecrow, 68,66€. Oh putain, vous êtes dingue. Merci. C'est inconcevable ce qui se passe. Inconcevable. Hop, ah putain, on a une bombe, tiens. Cool. Et je pensais que c'était le boss final tout à l'heure. Au final, non, pas du tout. Hein. Le DLC n'est pas fini. On se tellement de merde. Oula. Quoi?
Attention, j'ai une bombe. On y va. Déçu, personne ne s'intéresse à ma blague. Quelle est la différence entre une pizza et un juif? Oh putain, j'ai failli tomber. Wow. Non. Mais non. Oh vite. Putain, j'ai failli me faire bouffer là. Hop, c'est bon. Comment fait-on entrer deux Pères Noël dans un réfrigérateur? Impossible, il n'existe qu'un seul Père Noël. Oh! Non! Couché! Non! Wouah! What the fuck? 2v1, 3v1. Allez! Oh! 3v1, j'ai dit! Merde, je suis mort. Plus quoi dire. Atchoum, désolé, j'ai éternué un peu trop fort. Merci Scott, encore une fois, putain. Vous êtes vraiment généreux. Hein. Merci. Hein. Bah, je suis mort là, putain. Pourquoi ces conneries là? Mais putain. Vas-y Toshi, on est tous avec toi, pète-leur les rotules. C'est ce que j'essaie de faire. Oui. J'essaie, Scott. Pas facile, hein. Je fais tout pour, hein. Ah putain, carrément. Pas mal, ouais, bah putain. Allez. Oh. C'est bon. Donc logiquement là je peux péter la porte. On s'est débloqué les creuses. Yes. Wouh. Putain t'es mignon. Oh. Pourquoi les zèbres ont-ils peur quand ils entrent dans un magasin? Ils ont peur de passer pour un code barre. Ah! Quoi? Mais non! Mais Romy! Pour la dernière de la soirée, pourquoi les petites figurines sur les bûches de Noël en forme de nain sourient toujours? Parce qu'on va les sucer. Comment? Attends. Merde, attends. Comment appelle-t-on un chat tombé dans un pot de peinture le jour de Noël? Un chapin de Noël. Oh, un chapin de Noël. Ah là, ça vaut un bon set, là. Ouais, un bon set. Contre la première, attends, les bûches de Noël en forme de nain. Souris toujours, parce qu'on va les sucer. D'accord, ok. Pas mal, en tout cas, Romy, merci beaucoup. Hein. Oh, merci énormément. Merci. Pas le temps. Non. Romy ta blague Jerry. La deuxième est... Oh putain. Ah merde. Non.
vite. Oh, ah non, je veux pas mourir. Je veux pas mourir, je veux pas mourir, je veux pas mourir. Oh, 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 oh. Alors, oh putain, on arrive dans une chapelle. Dans une église. Hello. Ah bah Zoé est là. Attendez, ça sent le piège là. Ça sent le piège. Ça, ça dépasse le sacrilège. Oh putain. Oh c'est énorme, regardez au fond. Enfin je le montre avec mes doigts, regardez le au-dessus là, là le truc. C'est dans le début de RE7, on passe en dessous d'un truc comme ça dans la forêt. C'est exactement le même. Alors est-ce que c'est le même? Je sais pas. Enfoiré. Yes. Allez, allez papy. Vas-y papy. Non. C'est son frère. C'est Jack. C'est son frère. C'est Jack Baker. Non, c'était lui depuis le début. Non, il nous enferme, il nous enterre. Non. Où te mets, Jack? Tu reconnais même pas ton propre frère. Fais pas ça. Je t'interdis de la toucher. Jack, laisse-moi sortir, putain. C'est ton frère. Comment est-ce que tu peux me faire ça? Fais-moi sortir d'ici, d'accord? Non. Non. Bah oui, on l'a tué dans le jeu de base, je comprends pas. Oh la vache, Jack. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est vrai que dans le jeu de base, on le tue, en fait. Donc, ah, on a survécu, d'accord. On a... Ouah, putain, tous les cercueils. Bah alors, mon Jack, c'est pas le premier qu'on enterre. Ok, on a survécu. What? C'est quoi tout ça? Ah, c'est le... Umbrella. Umbrella Corporation, c'est le... Bah, les... Du coup, c'est les soldats d'Umbrella. Donc, ils sont arrivés ici en bateau pour aller vers la ferme, sûrement. On y va. On y va, on y va. Je te tiens, espèce d'enfoiré. À nous deux. Oh putain, j'ai pas le temps. I have not the time. I'm sorry. Merde. Par là, vite. Enfonce. Ils sont trop nombreux derrière moi, laisse tomber. Qu'est-ce que c'est que ce machin? What? Non. Leur nouveau jouet. Point d'acier. Oh yeah. Ça c'est bon ça. Prêt pour utilisation. Alors là mon pote, c'est ce qui s'appelle niquer des mères. Oh là 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 là. Oh. Oh. Alors. Alors hein. Ça fait moins le malin là hein. Ça fait moins le malin, j'ai dit. Moins le malin, j'ai dit. Boum. 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 Allez hop. C'est peut-être ce qu'il me faut pour me débarrasser de Jack. Avec la petite musique.
Attendez, vous avez remarqué qu'on est dans l'endroit de Resident Evil 7 au moment où la mère nous pourchasse avec sa lampe comme ça. C'est exactement cet endroit-là. Donc là, on arrive dans la ferme des Baker. Oh, c'est mignon. Merde. Baker. Zoé Baker, CM1. J'arrive, Zoé. Tu pourras continuer à dessiner des trucs moches. Regardez. L'araignée. On passe par là. Oh là là, c'est énorme. C'est lent. Let's go. Bim. 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 Whoop. 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 Bim. 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 Ta 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 ta. Donne-moi ta force, poupée! What? Il faut que j'aille là. Iron Man. Ah. Ah bah lui, vous voyez, lui il avait pas le point d'acier. Bah voilà. Voilà ce qui se passe quand on n'a pas le point d'acier. C'est énorme, on est vraiment dans l'environnement de Resident Evil 7 là. Je reconnais chaque lieu, c'est un truc de fou comment ça m'a marqué. Ah, ils ont posé les tentes et tout, d'accord. Putain, E.T. Attends hein. Un peu, Jack. Zoé rentrera avec moi. Zoé. Oh, le manoir. Putain, ça a changé, hein. Waouh, ils ont tout mis en... Ils ont mis plein de toiles. Zoé. Zoé, réveille-toi, réveille-toi. Salut, Jack. T'es plus qu'un chien enragé, maintenant. Le moment est venu de te piquer. D'accord. Amène-toi. On va charger ça. Attention, Jack. Oh. Putain, la vache. Oh là là. Merde, je suis dans la merde. Alors là, il se pose un problème très grave. Il se passe un problème, c'est que je n'ai plus du tout de soins. Donc je peux pas me soigner une seule fois. Attends un peu, Jack. Zoé rentrera avec moi. Ça va être chaud, là. Attendez, avant d'y aller, on va fouiller vite fait. Oh, un soin, nickel. Nickel, il n'y en a pas deux. Deux, ça serait parfait. Oh, deux soins. Parfait. C'est bon, on est bien. Ouf, on peut y aller. Il est mort cette fois. Là, il est mort. Zoé. Zoé, réveille-toi, réveille-toi. Il est mort. T'es plus un chien enragé maintenant. Je vais te piquer. Bon, on est pas trop mal. Merde. Putain,
est hardcore, il est hardcore. Il est coriace hein. Il est putain de coriace. Putain, il est coriace. Oh la vache. Il est coriace de ouf. Merde putain. Attends, mais il est hyper hardcore là. Oh putain, ça me casse les couilles. Ah, ça me casse les couilles là. J'ai pas envie de passer en facile. Putain, mais non, mais attendez, mais il a abusé ce boss. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Il est déjà 22h30. Là, franchement, je charge à fond à chaque fois. Sans patate, sans patate. Merci, Scott. Putain, Scott, 80 euros. Oh, arrête. Le pire, c'est que tu as la fin, Toshi. Non, mais là, je commence à... pas être bien. Là. Charge à fond à chaque coup. Bah ouais. C'est pas facile. Hein. Franchement, c'est pas simple. Ah ouais, non mais voilà. Impossible. Je crois qu'avec 3 remèdes on peut l'avoir, mais avec 2 c'est chaud. Oh putain, regardez-moi ça. Oh, il y a une tente qu'on avait pas fait. Oh putain, on a bien fait de revenir. Oh là là, on a bien fait de revenir. Oh, 3 remèdes, plus 4 parce que je peux en créer un. 4 remèdes, c'est bon là. Oh putain, on l'a. C'est bon, j'ai 4 remèdes. Oh putain, il suffisait que je retourne en arrière quoi. Développé pour faciliter le transport d'équipements lourds. Une fois équipé, les impulsions nerveuses sont détectées. Ok. Putain, je reviens pas. Il y avait 2 remèdes qui m'attendaient ici. Incroyable. Mais c'est quoi tout ça? Quoi? C'est quoi tout ça? Non mais... Putain, on a 6 remèdes maintenant. Oh, mais tout était dans la malle. Mais tout était dans la malle. Les poupées boxeurs et tout. Oh là là. Ça va être easy. Ça va être easy maintenant. Alors, allez, on y va. Putain, je reprends espoir d'un coup. Oh, non, là, c'était chaud. Complète. Oh, je crois que ça y est.
J'en peux plus. Oh. Quoi? Alors Scott, t'as le merde. T'as le time, merde, putain, j'en peux plus, ce boss m'a retourné le cerveau. T'es synchro, voilà. 19 euros, putain, t'es fou. 100 euros de top, don. Ah, la blague du jeu, on ne change pas à difficulté, c'est la meilleure. Je lui mets 11 sur 10 et hop, on est arrivé aux 100 patates pour le grand final. Oh, merci beaucoup, Scott. Merci beaucoup. Ah, Scott a tout déchiré ce soir-là. Un grand merci à Scott. Merci beaucoup. Pouf, c'est dingue. Bon, on a eu ce boss. Elle est où cette putain de Zoé là? J'en peux plus. Hein. Elle va se prendre des claques elle aussi, je crois. Allez là. Zoé, tiens bon. Ça va aller maintenant. Zoé! Oh, ce putain de boss. Mon dieu. Réveille-toi, Zoé! Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça va? Je vais bien. T'en fais pas pour moi. C'est fini maintenant. Go! Les mains en l'air! À genoux! Oh non! Ça suffit! Baisse ton arme. Ça va aller. Zoé Baker, c'est ça? À qui a-t-on l'honneur? Chris! Chris Redfield. On vous a cherché partout. On vient vous aider. Tu vas t'en sortir. Ah, elle est redevenue normale. J'ai passé 3 années enfermée avec ces monstres. Ils ont tous essayé de me tuer. J'arrive pas à croire que ce soit fini. Tu sais, quelque part au fond d'eux, il restait ta famille. Et ils t'aimaient. Surtout ton père. Même dans ses derniers instants. On l'a trouvée. Elle encaisse bien. Ouais, bien sûr. Attends. Quelqu'un veut te parler. Zoé. Zoé, tu es là? C'est toi? J'y crois pas. Tu t'en es sorti. Ouais, on a réussi. Tu m'as oublié. Ah! Je t'avais dit que je t'enverrais de l'aide. Et je tiens toujours mes promesses. Merci, Ethan. Ah oui! Là, j'applaudis. Ah oui! Et on l'a fini en difficulté normale, les crows. Ça, c'est bon, ça. On est mort combien de fois? Sauvegarde 14, coup de poing. Oh putain, la vache! 563 coups de poing! Mon dieu! Objet de soin utilisé 13. Merde, on n'a pas le nombre de morts. Ah si, là, 10. Ah seulement? On est mort que 10 fois. Contenu débloqué, défi extrême. Complétez tous les défis, obtenez machette maudite. Mode de difficulté, Joe doit mourir. Alors là, comptez pas sur moi. Eh, peut-être qu'on le fera un jour en live, ça. Le mode de difficulté super élevé. Ok. Eh ben dis donc, quelle soirée. Quelle soirée, les crows. C'était très, 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 très bien. J'ai vraiment adoré ce DLC. Très bon DLC.
très 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 bon DLC. Hein. Génial ce DLC, super live et super DLC, juste magnifique. Cool pour Zoé, c'est clair, ça me faisait de la peine pour elle. La pauvre manette. Ah, mais non, elle a rien la manette. En tout cas, très bon live, c'était awesome, GG à toi Toshi, nice, finalement presque 2 heures, oui. Bah merci à tous les crozés, ouais, on aura fait presque 2 heures au final. Bah voilà, bah, tant mieux. Sur ce, les crozes, merci à tous de m'avoir suivi ce soir, c'était un très bon live, une fois de plus. Il y aura la rediffusion sur YouTube, juste le temps que je fasse un petit montage sympathique en HD, et je vous mets tout ça sur YouTube. Prochain live du coup jeudi, live spécial Noël. Ouais c'est jeudi, hein. Ouais c'est jeudi. Live spécial Noël, il y aura des jeux à gagner. Il y aura des jeux à gagner, je vais vous faire plein de cadeaux. Donc je compte sur vous. Il y aura des petits horror games sympathiques. Voilà. Merci à tous pour vos dons, c'est un truc de dingue, merci. Merci, merci énormément. C'est un truc de fou encore une fois. Merci pour votre générosité les crozes. Voilà, merci à tous. Je vous dis à jeudi les crozes, passez une très bonne nuit. Je vous fais plein de bisous. À jeudi. Ciao ciao.